Le jeu de paume présente les clichés du photographe visionnaire Luigi Ghiri à travers une rétrospective sensible. Considéré comme l'un des pionniers de la photographie en couleur, son travail réalisé durant les années 70 y est aujourd'hui exposé. L'exposition est organisée à partir d'un ensemble de séries que lui-même avait présentées lors d'une exposition en 1979 à l'université de Parme. Donc le commissaire de l'exposition a choisi de reprendre ces séries photographiques et en même temps de les mettre en relation, parce que dans le travail de Luigi Ghiri, il n'y a pas comme ça un parcours linéaire, mais au contraire, ce qu'il appelle une ligne zigzagante, cette possibilité d'aller d'une série à l'autre et de les mettre en relation et en regard les unes avec les autres. Cet ancien géomètre s'est toujours intéressé à la photographie comme outil de représentation. Il photographie les affiches des lieux publics et se questionne sur la réalité des espaces. Luigi Ghiri est un photographe de l'illusion. Il est allé beaucoup photographier dans un parc à thème dans le nord de l'Italie, à Rimini, qui s'appelle l'Italie en miniature. Et il joue sur la notion d'échelle. Donc en fait, il photographie des monuments dont nous ne sommes pas en capacité de mesurer la taille réelle. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il joue de fait sur notre illusion. Ainsi, il nous permet de nous interroger sur ce que c'est que la photographie qui produit également, évidemment, elle-même de l'illusion. Pour découvrir le regard attentionné et affectueux de Luigi Ghiri, rendez-vous au Jardin des Tuileries au Jeu de Paume jusqu'au 2 juin 2019.